Corrida du dépeuplement. Salutations, chers amis. Ceci est un message de paix. Recevez tout mon amour par la polarité de notre monde. De la Terre-Mère, notre Mère Nature, aux cieux cosmiques, vers le plus profond des galaxies du Père Créateur. Le message que je m'apprête à vous délivrer est porteur d'amour. Bien entendu, tous ne voudront pas l'entendre. Si mes mots résonnent en vous, vous avez le droit et le devoir de copier, de publier et de partager cette vidéo pour la faire connaître du plus grand nombre. Indiquez la source, source de la vie. Mon rôle est de vous délivrer ce message. La corrida du dépeuplement est en marche. Le loup est entré dans la bergerie. Rassurez-vous, mes amis, ceux qui aimeront seront sauvés. C'est-à-dire avoir de l'amour dans son cœur. La haine vous consumera jusqu'à la dernière parcelle de vie, alors que l'amour égaie et remplit le corps de joie. Réjouissez-vous dès maintenant, c'est en votre pouvoir. Acceptez vos choix et ceux des autres. Qu'ils soient proches ou non, sachez que tout le monde a son rôle à jouer sur l'échiquier global. Pourquoi la corrida? Le taureau innocent est jeté dans l'arène, il est chauffé et excité. S'il veut bien se battre, vous connaissez le sort qui lui est réservé. Il sera d'abord affaibli par les picadors, un combat inégal car ils sont à cheval avec de robustes armures, équipés de puissantes lances plus longues que leur propre corps. Ces pieux videront peu à peu le taureau de son sang. C'est alors qu'entre en scène le torero, dans ses beaux habits tel l'Antéchrist. Souriant et majestueux, il vient faire son spectacle pour la foule qui l'adore. Qui peut bien se réjouir d'une telle souffrance? Sont-ils des gens comme vous et moi? Hypnotisés, endormis ou complices, le fait est qu'ils sont de la fête, leur fête. Voyez-vous où je veux en venir? Des amis, des frères, des sœurs, des parents, des enfants, certains choisiront consciemment ou inconsciemment de se faire piquer. D'autres voudront seulement courir après le chiffon rouge, la chimère qui promet la délivrance. Que ce soit dans l'arène, dans la rue ou au supermarché, la guerre n'a jamais sauvé personne. La guerre détruit. La guerre est un leurre, une des manipulations les plus cruelles qui puissent exister. Ces personnes ont choisi de se faire piquer car elles permettront aux autres de se réveiller. Elles partiront une à une. Bientôt, les morts ne pourront plus être cachés. Bientôt, les vrais chiffres couverts de poussière et de sang surgiront. Soyez patients, la vérité approche. Pourquoi vouloir souffrir alors que des traitements existent? Celui qui a peur de la mort ne vit pas. La plupart d'entre nous en ont fait une obsession, vouloir exister à tout prix. Oui, à tout prix. Vendre sa liberté pour quelques bouchées de pain, vendre sa voix pour une récompense. Des billets, plus qu'il n'en faut. Le papier est bon marché quand ils détruisent les forêts qui nous donnent de l'air. Que ce soit en validant un passeport ou en voulant absolument retrouver le monde obsolète précédent, je vous le dis et je vous le répète, cet ancien monde est terminé. La lumière a gagné. Je répète, la lumière a gagné. Si vous écoutez votre cerveau, vous êtes très certainement manipulé. Vous ne saurez que ce que vous devez croire. Les médias s'occupent de cela. Si vous écoutez votre cœur, vous connaîtrez la vérité avant les autres. Les cerveaux sont programmables et manipulables. Le cœur est pur. Pourquoi adorez-vous une vie où la totalité de votre labeur est récupérée sous forme de taxes?
Pourquoi adorez-vous une vie où les espèces mortes valent plus cher que les espèces vivantes? Pourquoi adorez-vous une vie où la corruption et la peur règnent en maître? Pourquoi adorez-vous une vie où toutes les valeurs fondamentales humaines sont bafouées et inversées? Pourquoi adorez-vous une vie où les gouvernants vous rient au nez, nous mentent, profitent ouvertement de tout ce que nous leur offrons malgré nous? Le loup est entré dans la bergerie. J'étais l'un des plus grands défenseurs de notre très cher Didier Français. Oui, je l'étais. Depuis un an, j'ai écouté toutes ses vidéos jusqu'à la dernière seconde. Je les ai montées, je les ai partagées dans tous les sens du terme. Cela m'a valu même plusieurs représailles de mes amis censeurs. Sans le savoir avec mon cerveau, j'ai compris qu'il fallait prendre de la distance avec cet homme tant respecté du monde. C'est un homme avec de grandes qualités, malgré de nombreuses controverses. Il a beaucoup aidé en son temps. Il a su conquérir les cœurs et être aveuglément idolâtré. Il est probablement toujours d'une certaine aide, toutefois son discours est maintenant très clair pour ceux qui veulent bien l'entendre. Je respecte toujours Didier. Inutile de préciser le nom d'un virologue mondialement connu. Il a été depuis toujours manipulé par la secte scientifique. Il a une idée plutôt précise de cette corrida ancestrale. La flatterie Pasteur a laissé des traces indélébiles. Quand il vante la balance bénéfice-risque, nous le suivons. Pourquoi, soudainement, il a autant d'engouement pour une version chinoise de cette soupe de poison? Jusqu'alors, il était le premier à nous faire connaître et à avoir défendu un traitement efficace. Le fameux cocktail reconnu depuis plus de 50 ans. Pourquoi vouloir piquer absolument ses congénères alors que la mortalité est insignifiante? Elle est plus faible que bon nombre de pathologies, que la pollution ou que la dépression. Le stress est la première cause de mortalité, l'origine de pléthore de maux. Certains me traitent d'obscurantiste en déclarant qu'il ne faut pas censurer cet homme. Je ne censure personne, chacun est libre de le suivre s'il le veut. C'est en écoutant mon cœur que j'ai su des choses avant mon cerveau. Je ne jette pas la pierre, je reste sûr qu'il a fait du mieux qu'il peut. Tout homme a ses limites. Une fois de plus, chacun a son rôle dans la partie qui se joue. L'ombre aide la lumière à se propager. L'épuration est nécessaire. Quelle que soit la fonction de chacun, elle est respectable. L'heure est au choix. Vous pouvez continuer d'alimenter les énergies de l'ombre en ayant peur. Quelles que soient vos actions, ressentez l'impact qu'elles ont dans votre corps. Que ce soit par les médias, les lanceurs d'alerte, les bien-pensants, les bergers clairvoyants, les personnes de bonne volonté, ressentez. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne à suivre. C'est votre cœur qui doit décider. Qu'est-ce que cela alimente chez vous? Vous pouvez choisir de vibrer l'amour, ressentir la joie dans votre cœur, le détachement, la paix intérieure. Vous pouvez choisir d'avoir peur, de vous remplir de peine, vous attacher à ce qui est voué à disparaître, à être en conflit intérieur avec la haine et la colère qui vous consument déjà. Restez innocent et responsable de votre choix. Si vous culpabilisez, vous vous éloignez de votre bonheur et vous alimentez les énergies de l'ombre. Vous vous videz d'amour. La culpabilisation pratiquée par nos oppresseurs vous éloigne de l'énergie d'amour universelle, la seule énergie qui existe dans les mondes. Si vous avez peur, vous n'avez plus d'amour. La peur nourrit les oppresseurs. Certains attendent la révolution. Je vous le répète, il n'y a pas de guerre. Rappelez-vous le taureau,
Si vous combattez, vous avez déjà perdu. Vous retardez l'évolution de votre âme et vous condamnez votre corps. Dans l'échelle de conscience, la peur est tout en bas. C'est l'inverse de l'amour. Le cœur ne connaît pas la peur. La peur est une projection de notre ego. Celui-ci est nécessaire pour choisir l'amour en pleine conscience. Ne combattez pas non plus votre ego. Invitez-le à l'amour. Vous attirez ce dont vous avez peur. Tout ce qui prend de la place dans votre esprit viendra à vous. C'est une loi universelle. Si vous redoutez un confinement, il sera déclaré. Si vous redoutez un fichage, il sera obligatoire. Si vous redoutez un passeport, il viendra à vous. Si vous redoutez un manque de liberté, vous serez votre propre geôlier. Le balancier cosmique. Une des lois de l'univers est le juste retour des choses, la loi de cause à effet. Certains ne comprennent pas pourquoi il y a tant de mal sur cette terre. Nous sommes tous co-créateurs de ce monde. Nous sommes tous responsables, consciemment ou inconsciemment, de ce qui arrive à cet instant. Cela veut tout simplement dire que nous sommes en capacité de tout changer. Ce que nous envoyons dans notre réalité nous revient. Ce que nous envoyons n'est que le reflet de notre état d'être intérieur. La situation mondiale est une combinaison de l'ensemble des réalités de chaque être humain depuis des millénaires. Comprenez que pour changer ce monde, il faut d'abord changer soi-même. Si vous attendez un sauveur, vous ne travaillez pas sur vous. N'attendez pas que les autres changent. Montrez l'exemple. C'est en vibrant l'amour à l'intérieur de vous que vous le manifesterez à l'extérieur. C'est ainsi que fonctionne le balancier. Ce que vous envoyez vous revient. Ceux qui prenaient l'asservissement retrouvent la monnaie de leur pièce. Chacun a le choix de manifester l'amour ou la haine. Chacun a le choix de vivre et non d'uniquement exister. Vivez à la lumière de votre cœur. La véritable nature humaine. Pour connaître le cœur des hommes, analysez les jeunes enfants. Ils n'ont aucun filtre, ni religion, ni couleur de peau, ni classe sociale. Divisez pour régner. Certaines religions vous ont fait croire que nous étions pécheurs, qu'il fallait craindre en permanence. C'est une manière de vous sentir coupable et soumis. Certains gouvernements vont vous faire croire qu'ils vous protégeaient. Ils vous tiennent à distance du bonheur. Les maladies et les taxes font de vous des personnes rentables. Avez-vous cru que nous étions trop nombreux sur Terre? Si oui, vous avez bien appris votre leçon. En réalité, ils veulent piller la planète comme bon leur semble. Rappelez-vous que les dominants ne peuvent avoir une pression sur vous que parce que vous l'acceptez. C'est ce que l'on appelle la complicité circulaire. Vous acceptez qu'ils aient un pouvoir sur vous car vous les laissez faire. Imaginez une partie de ping-pong à laquelle vous ne renverriez jamais la balle. Votre adversaire cesserait de jouer immédiatement. Ils aiment torturer ceux qui en redemandent. Rappelez-vous du taureau dans l'arène. C'est quand il ne court plus qu'il est temps de le transpercer. Les tristes exemples sont dans les EHPAD. Il crée les problèmes pour mieux les régler. Il sème le désordre, vous réclamez l'autorité. Il détruise l'économie, vous demandez des billets. Il vous empêche de respirer, vous vous déguisez comme au bal. Tant que vous nourrirez ces énergies du non-amour, ils continueront d'exister. Maintenant, il faut dire stop. Dire non, c'est arrêter d'être complice de cette supercherie.
L'amour gagne toujours. Nous sommes sur cette terre pour expérimenter l'amour, l'amour inconditionnel, l'amour qui nous lie à notre source. À chaque instant, nous avons le choix. Ceux qui prétendent ne pas avoir le choix donnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Si vous ne travaillez pas pour réaliser vos rêves, vous travaillerez pour réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Que ressentez-vous dans votre corps ? Respirez profondément. Prenez un instant pour vous. Rappelez-vous que vous êtes la personne la plus importante dans ce monde. C'est vous qui créez votre propre réalité. Si vous n'êtes plus, il n'y a plus rien. Vous êtes ma priorité. Je vous aime. Je vous aime. Ressentez tout mon amour à cet instant, comme une pluie de bonheur qui inonde votre corps. Respirez profondément. Inspirez l'amour que j'ai placé dans l'air. Si une pensée vous traverse et qu'elle n'a pas un discours d'amour, ignorez-la. Ayez conscience de votre pouvoir. Ayez conscience de votre capacité à vous remplir d'amour. C'est en vous remplissant d'amour qu'il n'y aura plus de place pour le reste. En vous remplissant d'amour, vous êtes prêt à tout. L'amour, c'est la vie. La vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. Aimez la vie, aimez ce monde, aimez-vous et aimez-vous les uns les autres. Je suis déjà là, j'ai toujours été près de vous. Ressentez tout mon amour à chaque instant. Patience. Rappelez-vous que le temps n'existe pas. Je veille sur vous. Ayez une confiance absolue en l'amour. Il n'y a que l'amour qui puisse rassasier vos cœurs. Je vous aime pour l'éternité. Message d'amour et de paix canalisé par Cédric le 17 février 2021. Le texte original est disponible sur neurosatis.fr dans le blog. À cette date du 18 février, publication sur YouTube. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Rejoignez-nous sur neurosatis.fr pour recevoir les informations en exclusivité. Je tiens également à votre disposition l'abonnement Ange de Lumière pour vous offrir tous les contenus de Neurosatis, les réunions privées, les programmes personnalisés, tout, l'intégralité. Activez votre nouvelle personnalité.